פרקי אבות פרק ב', המשנה די, יפה תלמוד תורה, יש כוס על בן גמליאל, בן גמליאל אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון, וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. Donc il y a ici, dans cette Mishnah, deux strophes. Première strophe, il a fait un Torah Derech Eretz. Il est bien d'étudier la Torah avec Derech Eretz. Qu'est-ce que c'est Derech Eretz? C'est quoi Derech Eretz? C'est sympa d'étudier la Torah, mais il faut être poli. C'est ça Derech Eretz? Alors quoi, on appelle ça Yafé? Yafé, c'est joli. Et si Derech Eretz, ça veut dire... comme la Gemara dit dans Brachot la Medhe. Alors, Derech Eretz, ça veut dire le travail. Vous savez, la Gemara dans Brachot, il y a une mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael dit, on ne peut pas tout le temps étudier. Si tout le monde se mettait à étudier du matin au soir, qui c'est qui va labourer? Qui c'est qui va préparer de quoi manger? Qui c'est qui va travailler? Qui c'est qui va mettre sur pied un peu les infrastructures et tout ce qu'on a besoin pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, il dit, c'est sûr qu'on a besoin de travailler, de labourer, de préparer de quoi manger, et aussi étudier. Il faut les deux. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est pas comme ça. Celui qui se voue à l'étude, tout le temps étudier, à Kadosh Baruch Hu, il s'occupera de lui, il lui donnera tout jusqu'à la porte. Jusqu'à chez lui, il lui mènera tout. C'est un pasouk. Dans la névoie, on est prophète, que les étrangers feront paître votre troupeau. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que d'après Rabbi Ishmael, Derech Eretz, ça veut dire Hanheg Bahem Minhag Derech Eretz. Derech Eretz, ça veut dire le travail. Donc, ici aussi, à Fetal Motorim Derech Eretz, il faut étudier en même temps qu'on travaille. Mais si on explique comme cela, alors il y a plusieurs questions. Premièrement, pourquoi on dit Yafetal Motorim Derech Eretz? Yafet, ça veut dire. C'est bien d'étudier la Torah avec le travail. Alors, qui c'est qui est là le plus important? C'est le travail ou la Torah? Quand on dit « viens avec moi », qui est l'essentiel et qui est celui qui s'associe? Quand je dis « viens avec moi », moi je suis le principal et toi tu viens avec moi. Je viens avec toi. Ça veut dire, toi, tu es le principal, et je viens avec toi, moi, je m'associe à toi. Alors, quand il dit, fait Talmud Torah, aïn Derech Eretz, c'est bien que le Talmud Torah, il s'associe avec le Derech Eretz. Ça veut dire que le Derech Eretz, c'est le plus important. Le travail. Quand on est en Russie, là, on est chez les socialistes. Travailler, le travail, le travail. La fête du travail. La Mishnah, c'est ça ce qu'elle veut nous enseigner. Que c'est bien d'associer l'étude au travail, comme l'utile à l'agréable. Mais en fait, celui qui a dit ce dicton-là, associer l'utile à l'agréable, il s'est trompé. Il aurait dû dire, ah, non, mais chez les goïms, ça se comprend. Chez les goïms, ça se comprend. L'utile à l'agréable, c'est mieux. Parce que pour eux, tout doit être agréable, mais un petit peu d'utile, c'est sympa. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est associer l'agréable à l'utile. Quand tu es, même chez eux, l'utile, c'est ce qu'il y a plus important, mais on associe un petit peu l'agréable. En tous les cas, peu importe. L'essentiel, c'est que cette Mishnah-là, si on l'explique, il a fait Talmud Torah im Derech Eretz, ça veut dire le travail. Alors, qu'est-ce qui devient, Aïkar, essentiel, qu'est-ce qui devient Tafel? Tafel, otiot futile, ça veut dire qui se associe. Hein? Alors, on voit qu'on dirait que le travail, c'est l'Aïkar. Ça, c'est impossible. Inadmissible que la Mishnah nous dise la chose suivante. Deuxièmement, alors qu'est-ce que la Mishnah continue à dire? Vechol Torah she'en aima melacha,
Sofa betelav goreret avon. A priori, c'est la suite de la première phrase. Vechol Torah she'en aima melacha. De la même façon que j'ai dit au début qu'il faut associer la Torah au travail. Donc la Mishnah, on dirait qu'elle veut dire la suite. Vechol Torah she'en aima melacha. Toute Torah avec laquelle il n'y a pas de travail, Sofa betelav. À la fin, elle va s'annuler parce que l'homme étudie, à la fin, il va pas trouver de quoi manger. Il va dire, bon, si c'est comme ça, il va commencer à se laisser aller jusqu'à ce qu'il va faire le travail, c'est l'essentiel, et puis il va arrêter d'étudier. Alors, si c'est vraiment ça l'intention de la Mishnah, alors, premièrement, c'est une répétition. Deuxièmement, pourquoi tu dis, maintenant tu appelles ça Melacha? On aurait dit, pas Vechol Torah, mais Shekol Torah, puisque c'est Netinatam. La suite, c'est la raison de ce qu'il a dit au début. Il aurait dit comme ça, Yafé Talmud Torah Inderech Eretz, Shekol Torah, She'en Aimo Derech Eretz, Sofa Betela. Comment tu l'appelles au début, tu l'appelles Derech Eretz, après tu l'appelles Melacha? Et deuxièmement, pourquoi on dit Yafé Talmud Torah? Parce que Talmud Torah, c'est rien qui a fait. C'est Hovalid Motora. En fait, ces questions-là, elles sont posées par mon ancêtre, Khalavachar, Rabbi Raphaël, Amalach Raphaël Bardugo, il s'appelait. Dans son livre, Memenuhot, à la Torah, dans ces parachiotes-là, il explique aussi le Pirkei Avot. Et là, il explique quelque chose de formidable. Il dit Derech Eretz ici, ce n'est pas le travail. Derech Eretz, c'est Derech Eretz. Ce qu'on appelle Derech Eretz. Hazal, ils entendent par Derech Eretz le Moussa. Étudier le Moussa. Derech Eretz, il y a une Maseret qui s'appelle Maseret Derech Eretz. Qu'est-ce qu'on apprend dans la Maseret Derech Eretz? On apprend le Moussa, la façon de se conduire. Alors, quand la Mishnah, au début, elle dit Afet al Muturaim Derech Eretz, c'est étudier le Moussa aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Yafet? On a dit que c'est obligatoire d'étudier, c'est pas un café, c'est joli. Alors, lui, il dit que le mot Talmud, il revient même sur Torah et même sur Derech Eretz. Yafé Talmud Torah im Derech Eretz. Quand on étudie, il est bien d'étudier la Torah avec le Moussa. Shiyegirat Shneim et Shakarat Avon, parce que quand on étudie que la Torah, sans étudier le Moussa, alors c'est vrai, on connaît les halakhot, mais on n'a pas assez de quoi, de Yirat Shamaim pour les appliquer. Donc on risque de faire des Avonot. Mais si on étudie aussi que le Moussa, alors on ne saura pas quoi faire. On peut avoir le Moussa du matin jusqu'au soir, mais il ne sait pas la halakha, il se trompe dans les halakhot. Donc encore une fois, il fera des averot. Mais quand on a et la Torah et le Moussa, alors Meshakat Avon. Et là, effectivement, il apparaît que le Tana dit ce que dit le Chavot al-Vavot dans sa préface. Le Rav ramène dans Memenuhot. Il faudra qu'un jour, l'un des deux, on amène un set ici à l'Eshiva, le Menuhot, très important. Et il explique, il ramène une réaïa de Maseret Yevamot. Halchou yorshe ha-ba'al, haim yorshe ha-av. Yorshe ha-ba'al, haim yorshe ha-av. Mikan réaïa, quand on dit zé, haim zé, le deuxième zé c'est l'essentiel, et le premier c'est le tafel. Halchou yorshe ha-ba'al, haim yorshe ha-av. Yorshe ha-ba'al, c'est ceux qui, les héritiers du mari, avec les héritiers du père. Les héritiers du père sont toujours les plus importants. Donc, le Chavot al-Avot dit que dans les premiers les temps de son temps, les Hasidim Arishonim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient la Torah une heure par jour pour connaître les halakhot. Et le reste, ils faisaient Moussar. Ils te doutes pour développer leur midot, pour travailler leur midot. Irat Shamayim, beaucoup de Irat Shamayim, car c'est l'essentiel. Puisqu'ils savaient, après qu'ils savaient quoi, comment se conduire, ils étudiaient la Torah. Disons qu'à un certain temps, bien entendu, en tant que Bahurim, ils devaient apprendre plus de Torah, parce qu'on ne peut pas la connaître si on ne l'étudie pas à fond dans le grand Ayoun. Mais c'était ça de leur temps. Aujourd'hui, bien entendu, chaque génération, elle a ses Gdolim, qui savent comment diriger la génération selon le temps.
Et aujourd'hui, les sdarim que nous avons dans les shivot, c'est les sdarim que les gdolim ont fixé, bien entendu, c'est comme ça qu'il faut agir. Mais du temps du Chovot HaLevavot, les grands tzadikim, c'est comme ça qu'ils faisaient. Alors c'est ça, le Tana aussi dit, a fait Talmud Torah et Derech Eretz. Le Talmud Torah, il doit être tafelo Derech Eretz, parce que c'est l'essentiel, c'est le travail de soi. C'est l'Ayirat Shamayim, quand on développe sa personnalité avec l'Ayirat Shamayim, c'est ça l'essentiel. La Torah, il faut l'étudier pour connaître les halakhot. Parce que si on ne connaît pas les halakhot, on risque de se tromper. Mais l'essentiel, c'est le Derech Eretz. Et après, la Mishnah, elle passe à autre chose. Vechol Torah she'enayimah melacha, sofa betelav goret avon, ça, il s'agit de melacha, effectivement, qu'il faut aussi avoir une parnassa. Si on n'a pas une parnassa, on risque de tomber dans les avonot, Hazé Shalom. Mais, là-dessus aussi, et quand on dit Torah she'enayimah melacha, alors la Torah c'est l'essentiel et Melacha c'est accessoire. Torah, Shen, Imam Melacha. Donc la Torah elle est essentielle, contrairement à la Recha. La Recha, le début de la Mishnah, alors la Torah elle est accessoire au Derechet, qui est le Moussa. Mais là, on parle d'autre chose déjà. On parle Melacha, c'est Melacha Mamash. Travail. Mais le Rav, à la Vachanam, il donne encore deux explications c'est quoi Melacha. Melacha, c'est le Amal. Kol Torah Shena Imam Melacha, le travail. Il faut fournir du travail. Le Amal de la Torah. Sofa Betela. Quand on étudie sans vraiment se donner du mal, sans creuser, Sofa Betela, l'affaire, on ne trouve plus de goût. On n'a pas trop. Le vrai goût de la Torah, c'est quand on se casse la tête dessus pour essayer vraiment de la comprendre à fond. Pas plus ou moins. Plus ou moins. Kebol Okar Poto. Ça rentre de là, ça sera pareil. Mais quand on a bien creusé, on a compris vraiment les bases, on la possède, on la détient, alors c'est ça le bonheur. Et quand on est heureux, alors on est tout le temps avec. On ne fuit pas du miel. Quand il y a quelque chose qui est mielleux, on le fuit. Au contraire, ça, on aime. Alors c'est pour ça. S'il n'y a pas de melacha, il n'y a pas de amal, sauf à Betela. Et alors il dit aussi autre chose, melacha, melechet asimanim. Faire des simanim, ça veut dire se faire toujours des points de repère pour se rappeler, pour se remémorer, pour se rappeler bien la Torah, il faut faire des simanim. Il y a des rabbins qui savent faire des simanim, ça veut dire, quand c'est la première Mishnah, elle se trouve dans telle page, deuxième, se faire des simanim, chacun il sait comment se faire des simanim, des résumés, toutes sortes d'astuces pour bien se rappeler de la Torah qu'on étudie. Et alors là, elle n'est pas Betela, elle n'est pas Gorer Tavon. Donc on voit de là combien c'est important de travailler le Moussa. Alors maintenant que Bezrat Hashem, on commence un nouveau Zman, après un mois de congé, Baruch Hashem a fait de Pessah, on s'est rempli de Emouna, on s'est rempli de Baruch Hashem, tout ce qu'on avait besoin pour se reposer. Maintenant Bezrat Hashem, on commence à rentrer dans le Zman, un très bon Zman qui nous attend, avec Shavuot qui nous... tout de suite, ben, Hashem dans quelques semaines, avec Shavuot, c'est le matin de Torah. Mais pour Shavuot, il faut se préparer. Donc on a parlé maintenant de Talmud Torah in Derech Eretz. C'est les midot. Et quel midot? Ça commence par Ben Adam Lahavero. Ben Adam Lahavero. Surtout que nous sommes dans la période de deuil sur les Talmidim de Rabbi Akiva. Et les Talmidim de Rabbi Akiva, quelle était leur faute? Bon, ça tout le monde le sait. Chaque année, on l'entend une fois de plus. Mais en fait, il y a une petite réflexion. En fait, les Talmidim de Rabbi Akiva, l'on a agou kavod zebazé. Où est écrit dans la Torah qu'il faut être noé kavod zebazé? Il est écrit kabed et avicha et imecha. C'est écrit nulle part kabed et havercha. Où est-ce que c'est écrit? Alors pourquoi ils ont été punis à ce point? Alors j'ai vu, on explique de la façon suivante. En fait, la Torah, c'est sûr qu'elle a été donnée pour que l'homme devienne un homme. Qu'il ne soit pas une bête. Aïr pere Adam Ivaled. Ça veut dire l'homme, on dit le Passouk, dans Iyob, que l'homme, quand il naît en fait comme une sorte de sauvage. Une bête sauvage. S'il ne se travaille pas les midot, il restera une bête sauvage. Même si un jour il arrive à devenir professeur, ce serait un professeur sauvage. Parce que, avec tout ce qu'il y a, si tu enlèves toutes les,
toutes les couvertures et tout ce qui est brillant et tous les trucs, tout ça, au fond de lui, il est resté le même sauvage qu'il était avant, sauf qu'il a, il a sophistiqué sa sauvagerie. Voilà, c'est tout. Il restera toujours signé avec des midotes. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais lu un article sur un professeur d'un grand hôpital en Israël qui, pour prouver qu'il a réussi la greffe de cœur, la première greffe de cœur en Israël, il n'a pas hésité à assassiner un patient. Un patient qui était très robuste, très costaud. Il travaillait dans le bâtiment. Et un jour, il a eu un peu mal, une syncope. Ils l'ont pris à l'hôpital. Le professeur a découvert que celui-là, il avait exactement un cœur très, très, le meilleur, le plus optimal pour pouvoir résister à la, pour qu'il puisse faire la greffe de cœur à un malade. Il n'a pas hésité, il lui a enlevé le cœur, il l'a tué pour faire la greffe de cœur. Finalement, les deux sont morts, bien entendu. Le premier parce qu'il lui a enlevé le cœur, et le deuxième parce que finalement, ça n'a pas réussi. Mais lui, au début, il a pensé que ça allait réussir, et il a fait, il y a des proches à lui qui ont trouvé, qu'ils ont fait leur enquête, ils ont découvert qu'il carrément lui manquait le cœur. Ils ont mis des morceaux de chiffon là-bas. Et voilà. Ils ont fait toute une enquête. J'avais lu ça quand j'étais arrivé en Israël il y a plus de 30 ans. C'est extraordinaire. Donc c'était un professeur. Et pour avoir le kavod qu'il voulait, il était prêt à tuer une personne. C'est pas un problème. Moi j'en connais aussi des professeurs comme ça. Qui pour avoir du kavod, ils n'hésitent pas à faire toutes les toevot qu'il y a au monde. Voler, mentir, tout. Surtout ceux qui travaillent dans les manuscrits, pour pouvoir dire que voilà, on a fait un manuscrit, on a découvert un manuscrit, ils peuvent mentir, voler, toute la Aseret Divot, toute la Torah Kula, ils peuvent la transgresser pour avoir un petit peu de kavod supplémentaire. Voilà. Ça, c'est Haïr Pere Adam Ivalen. Et bien entendu que la Torah, elle ne peut pas tolérer une chose pareille. C'est sûr que la Torah, quand elle nous a été donnée, c'est pour que nous nous développions, pour que nous devenions des hommes. Alors, Talmidei Rabbi Akiva, ils n'ont pas saisi suffisamment ce point-là. Et comme ils n'ont pas fait le kavod, c'est-à-dire toute votre Torah, vous croyez que moi j'ai besoin des geonim, j'ai besoin des gens qui savent, qui deviennent des geonim, s'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de midot, il n'y a rien du tout. Moshe Rabbeinu, tout ce que nous savons de lui, hein, c'est Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Toute sa jeunesse, plus que sa jeunesse, jusqu'à 80 ans, on ne sait rien de ce qui s'est passé avec lui. Oh, c'est vrai qu'il a été repéré, il a récupéré sur le fleuve par Bithya, Batparo, et il a été après à Midian, et après, il y a deux, trois épisodes. C'est quoi les deux, trois épisodes que nous savons sur lui? Quand il a frappé, quand il a vu le goy qui tapait le juif, il a tué, il l'a enseveli dans la terre. La deuxième fois, quand il a vu les deux juifs en train de se disputer, et il a réprimandé. Troisièmement, quand il a été à Midian, il a vu que les bergers étaient en train d'empêcher les filles de Yitro de prendre de l'eau. Et il les a défendus. Qu'est-ce qu'on voit de là? Trois épisodes uniques, ou presque, que la Torah nous a cédé sur la vie de Moshe Rabbeinu. Rien à voir avec une grandeur de philosophie, quoi, non. Tout simplement, la regishut, la sensibilité vis-à-vis du prochain. Il ne peut pas supporter qu'il y ait de l'iniquité, de l'injustice, du tort. Il va défendre les faibles. D'ailleurs, le Midrash nous raconte comment il a été choisi par Akadosh Baruch Hu. C'était un berger. Veitro, ou Moshe Ayaroé, Tson, Itro Hotno, Haramidbar. Il faisait paître le troupeau de son beau-père, Itro. Et quand il a une petite brebis s'est éloignée, il a couru derrière pour ne pas faire perdre cette brebis à son beau-père. Mais quand il a vu qu'elle avait soif, il a pris sur ses épaules. Il a dit, je savais pas que tu avais soif. Il a pris, il a fait boire. Quand il lui a dit, si c'est comme ça que tu te conduis avec une brebis, toi tu seras le berger de mon peuple. Et c'est comme ça qu'il a pris. C'est comme ça qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Donc on voit qu'avec la sensibilité vis-à-vis de nos proches, de nos prochains,
on acquiert beaucoup plus de sympathie vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu que avec autre chose. Même si c'est de l'étude, de la tefila, c'est très important d'acquérir cette sensibilité pour Bezrat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu nous gratifie par le don de la Torah. Parce que effectivement, c'est écrit dans le Midrash, Enanim, noten ta Torah, Enanim, Mishu, Vatran. Pourquoi Betinel, ils ont eu le mérite que la halakha est comme eux, parce qu'ils étaient Anavim, Savlanim. Quand quelqu'un il a de bonnes midot, HaKadosh Baruch Hu lui donne la Torah. Nous qui cherchons à avoir la Torah, surtout la veille de Shavuot, en améliorant nos midot, de Benadan à Havero, on réussira. C'est ça ce qui nous fera réussir. Bien entendu, il faut aussi avoir la persévérance dans l'étude. Baruch, nous sommes dans Bezrat Hashem au début du Zman, il faut aller très très fort. Je vais peut-être conclure là-dessus, parce que je n'ai pas encore fait Minha. Et rien que vous dire, une idée que j'ai entendue récemment, c'est ce qui s'appelle en hébreu « Dimion Mudrach ». Je pense qu'en français, on aurait traduit cela par autosuggestion, je crois. Je ne sais pas exactement. Dimion Mudrach, c'est-à-dire qu'on s'imagine l'avenir avec, dans tous les détails. Dans tous les détails. Et c'est comme ça qu'on arrive on se fait une idée, une photo de ce qu'on voudrait être. Et là où on voudrait arriver. Alors, vraiment, très brièvement, c'est une histoire un peu longue, mais très brièvement, je vous dirais qu'il y a un rabbe qui s'appelle Rav Aaron Margalit, j'ai entendu la semaine dernière. Il a raconté qu'il y a 4 ans, il commençait à donner ses conférences. Et il a donné une conférence à des Talmidim, des Shivot, dans un camp de vacances, colonie de vacances. Et il a dit, qui c'est qui voudrait monter pour que je puisse faire une démonstration avec lui. Alors, ils ont hésité tous. Ben, finalement, il y en a de 14 ans, 15 ans qui est monté. Et il a dit, dis-moi, est-ce que tu as pensé un jour qu'à 19 ans, tu pourrais faire Sioum HaChasse, finir la chasse, étudier tout le chasse d'ici jusqu'à 19 ans. Est-ce que tu as imaginé que tu pourrais le faire? Il a dit, non, jamais j'ai pensé à ça. Et je ne pense pas d'ailleurs. Il a dit, bon. Est-ce que tu voudrais que je te donne un kamia? Si tu finis le chasse d'ici 19 ans, j'ai un kamia, c'est-à-dire une amulette, qui passe en héritage chez nous dans la famille, depuis des millaines, des centaines d'années, c'est qui a la ségoula, que celui qui l'a à la maison, il aura tous ses enfants, Talmid Haram Rosh Yeshiva, et marié avec des Rosh Yeshiva, ses filles mariées avec des Rosh Yeshiva. Est-ce que tu voudrais obtenir un tel kamia? La seule chose que tu devrais, moi j'ai fait le calcul, pour finir le chasse, en 3 ans et demi, c'est 1 heure et demie d'études chaque jour, mais alors chaque jour. Compris Kippour, Soukhot, tous les jours, 1 heure et demie, persévérance. Si tu le fais, tu arriveras. Mais, je vais te donner l'idée, tu vas déjà imaginer qui c'est qui va arriver, tu vas faire certainement une fête, qui viendra dans la fête. Comment ta mère sera habillée, quelle nappe il y aura sur la table, quel gâteau il y aura sur les tables. Tout ça, tu te le mets dans la tête et tu prépares déjà une carte d'invitation, qui tu voudrais inviter, etc. etc. Et il lui a posé la question, comment tu imagines ta mère ce jour-là? Il a dit, ben, je l'imagine avec des larmes aux yeux. Des larmes, bien entendu, de bonheur. Et avec qu'est-ce qu'elle a dans la main? Et elle aura un mouchoir en papier pour se sécher les yeux, qui verse des larmes de bonheur, que son fils a. Alors, après tout cela, il lui a dit, alors tu es prêt? Il a dit, d'accord, je suis prêt à le faire. Tout le monde a appelé. Au début, il a beaucoup hésité, alors tous ses amis l'ont encouragé, il a dit, j'accepte. Et après, il y en a encore 17 qui ont fait la même chose. Il a dit, c'est pas grave, je vous photocopie l'amulette, elle marche aussi bien. Alors bon, ça a marché. Mais après, il a oublié tout. Au bout de 3 ans et demi, donc, comme ça. Alors, un ami qui avait assisté, je lui ai dit, Rav, vous vous rappelez de ce camp-là, de cette colonie de vacances? Oui. Un tel, vous vous rappelez de lui? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il se marie.
Et vous venez au mariage, je n'ai pas été invité. Ça va, je vous donne l'adresse. Finalement, il s'avère que le Hatan a envoyé la Hazmana, n'est-ce pas, la carte d'invitation, mais qu'elle était, elle est pas, il s'était trompé d'adresse, donc elle était revenue. Le jour du mariage, le Hatan appelle d'urgence et dit: Rav, je vous ai envoyé la Hazmana avec quatre pages, une lettre de remerciement, parce que vous m'avez changé toute la vie. Grâce à cela, j'ai fait, et c'était quelqu'un qui était, ses trois frères étaient sortis de la route, ils étaient devenus laïcs, ils avaient perdu toute la truc. Et lui, il était en route pour devenir pareil, c'était quelqu'un de très religieux, il était en train dans une famille, une de bonne famille, et il devait, Chas v'Shalom, devenir... Et finalement, grâce à cela, lui et tous ses frères en dessous de lui, ils ont commencé à adhérer au chasse, à prendre, toute la famille a été transformée. Et lui qui croyait qu'à cause de ses trois frères, qui étaient plus âgés que lui, qui étaient devenus des mécréants, il pensait qu'il n'aurait jamais un chidour de bonne valeur. Qui c'est qui va vouloir de lui? Alors que quand il a fini le chasse, on lui a donné un des meilleurs chidour, une des meilleures familles. Donc ça lui garantissait déjà d'avoir vraiment des enfants d'Amidah Hachamim et des Hatanim d'Amidah Hachamim. Alors, quand finalement le Rav est venu au mariage, et quand il avait présenté les frères, il dit: voilà, ça c'est mon frère, des frères avec des machins, des Hagilim, c'est-à-dire des. Comment ça s'appelle? Des boucles d'oreilles, tout ça. Bon, je ne dis pas. Il a dit: voilà, c'est pour ça que j'ai tenu ma mère, elle a tenu à ce que je vous invite. J'étais en Tahani Dibourg, mais elle m'a dit: tu arrêtes le Tahani Dibourg et tu invites le Rav qui t'a. C'est pas quand ils ont découvert que l'invitation est revenue, elle n'est pas arrivée à destination. Et tout de suite, il fallait l'appeler pour qu'il vienne. Et il est venu. Et finalement, le Hatan lui demande: Rav, vous m'avez promis une amulette, parce qu'il y a le Kamia. Il a dit: mais c'est ça le Kamia. Grâce à ce que tu as fait, le kamia, c'était le dimya mudra, c'est l'autosuggestion. C'est ça le kamia. Quand tu t'étais autosuggéré que voilà comment tu vois l'avenir, tu t'imagines, tu y penses chaque jour, j'arriverai à ce jour-là où je ferai le sioum du chasse. J'arriverai à ce jour-là et voilà comment les tables seront disposées. Et voilà comment. Et voilà, tu écris même une carte d'invitation, je vous invite à mon sioum à Seret, à telle et telle date. Tu fixes déjà une date. Tu te fixes déjà un endroit. Tu te prépares déjà. Tu vois tout devant toi vivant, live. Et avec ça, tu vas tellement avoir le échec de travailler chaque jour, même quand le jour où tu auras un peu plus de... Tu n'auras pas tellement envie, etc., etc. Tu diras: non, mais je vais arriver à ce jour-là où je vais faire le si ou ma chasse. Quand on se prépare de cette façon-là, alors on se donne beaucoup de courage pour arriver. Donc, Bezrat Hashem Ibar, avec les Tikkun Amidot, avec Yafet Talmud Torah Inderechet, le Moussar, avec le Hamal dans la Torah, et avec cette autosuggestion, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, Bezrat Hashem, on est bien entendu couronné de prières pour Akadol Baruch Hu, qui nous aidera à arriver à nos fins, à Bezrat Hashem, arriver à être Talmid Hacham avec les Midot, que Bezrat Hashem, on soit des hommes et pas des Aïr Pere Adam Ivalen. Arranger nos mitotes, c'est vraiment pour cela qu'on est venu au monde. Rabbi Israël se l'interdisait, qu'il est beaucoup plus facile de finir tout le chasse que d'arranger une mita, que Kadosh Baruch Hu nous aide à arriver à cela, à persévérer. Et Bezrat Hashem et Mouhtar, Becheter Torah, Becheter Shem Tov. Encore un petit mot pour le Rav Osner, Alav Shalom, pour être yotze un peu le Rabat Esped. J'ai entendu aujourd'hui un Esped de son petit-fils. Il a raconté que jamais. Pour lui, c'était impératif de ne jamais vexer qui que ce soit. Il a raconté beaucoup d'exemples, comment le Rav Osner faisait très attention à ne vexer personne. Et bien entendu, le Hamal Torah, l'étude de la Torah, c'était tellement, tellement fort chez lui. C'est grâce à cela que, malgré, bien qu'il n'avait pas à son jeune âge, c'était pas quelqu'un qui était très doué. Mais avec beaucoup de travail et de labeur, il est arrivé à devenir le Gdolador. Hachem Zakenu Amen.